de gagner ma vie grâce à l'enseignement. Mais c'est comme si j'avais choisi de mourir par l'enseignement. Mais de ce sens de place, ils m'ont dit, va d'abord travailler, on va te payer après. Alors, j'ai travaillé à crédit, le ventre vide, la tête pleine, loin de ma famille, de mes amis, sans route, sans eau, sans ressources, sans réseau ni réseau, et on me dépense le réseau pour avoir le rappel de mon salaire bien mérité. En sortant de l'école, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, ils m'appelaient gladiateur de la crêpe, mes frappés et j'ai souri. Ils m'ont rappelé dans un lit où le mur s'en est piqué. Les défenseurs réalisés, parfois pieds nus, s'asseyent à même le sol. Les anciens élèves devenus montent à l'image se moquent de toi. Ils te diront, rompu en droit, tombé en bas. Que pauvre Seigneur se reconnaît par son enfilage. Tes chaussures morales et ta grosse mallette. Mes amis, d'autres messieurs en nouveaux amis. Normal, les gens marchent pas à te nourrir. Une salle de classe sans la classe sale et de corps corporel. Ma salle de classe est comme un poulailler. Je suis le fermier qui arrive avec le savoir. Cette providence en évidence. Sans mes élèves dans une seule salle de classe, assis les uns sur les autres. Il faut parler haut pour qu'ils entendent et avoir le cœur fort pour corriger les copies. L'État me paye avec une ancienne partie de mon salaire et mes dépenses d'attente. Mais mes problèmes n'attendent pas, mes avancements n'arrivent pas. Ils reculent. C'est mon âge et mes charges qui avancent chaque seconde. Ils vont pour acheter mon propre argent. Ils m'ont donné les deux tiers, mais je travaille à 100%. La famille, c'est que tu es fonctionnaire. Juste pour avoir choisi l'enseignement.